Bah écoutez, on fait ça, on va tester ces petites compétences-là sur les poulets, sur le roi, tiens. Sur le roi des poulets, ensuite. Même là, je peux pas attendre. Est-ce que je peux même changer? Non. Il faut vraiment qu'ils arrivent dans cette possibilité-là de déplacer la caméra avec le bouton droit de la souris, comme dans la majorité des MMORPG, franchement. Okay. Là, il faut que je trouve Glenn et que je m'informe sur ce qui est arrivé à Uncle Lee. Ah, enfin un nom chinois. Ouh là là. Elle veut encore quoi, elle? Voilà, c'est bon. Jeff. Ah ouais, on l'a déjà vu, Jeff. Christy, t'as vu hein, Christy? God, attends, j'aurais peut-être. Je vais peut-être aller écrire dans leur forum leur disant que c'était idiot de traduire les noms des PNJ en nom occidentaux. Je sais pas. On peut pas utiliser. Ok, donc oubliez peut-être que c'est moi qui comprends pas, mais on peut pas utiliser les touches du clavier 1, 2, 3, etc. pour utiliser nos compétences, donc on peut juste faire on peut juste le faire en cliquant. Donc si vous êtes un cliqueur, vous allez adorer. Qu'est-ce que je okay. Oh. Et aussi oh bah, je peux plus trop loin. Donc on va spammer la touche 1, enfin pas la touche mais l'icône 1, c'est ça, et vous attaquez automatiquement l'ennemi le plus proche. Ah, les bots vont s'amuser sur ce jeu là. Avec le ciblage automatique quoi, dès que vous appuyez sur la touche. Oh, c'est quoi? Elle est où, elle est partie? Mais écoutez, effet spéciaux, je dois avouer que c'est très action avec des espèces de combos qui s'affichent à droite. On aurait du Street Fighter, non pas des Street Fighter. Du. C'est quel jeu déjà où il y a autant de. Ça flash, oui, comme ça. Un jeu de combat. Attendez. Ah, un peu trop loin. En tout cas, vous voyez le style, je sais pas, ça peut être Soul Calibur, les trucs comme ça. Genre de jeu là. Même Tekken. Non, Tekken n'était pas aussi. Les flash, il n'y a pas autant. Soul Calibur, ouais. Ah, ouais, j'en ai un petit jacquant du mob. Ah. Moi, si les gens, si vous avez adoré les statistiques, ça vous permettra de savoir combien de mobs vous avez tué, de monstres vous avez tué pour atteindre tel niveau, etc. Ah, le cam est revenu après la tempête. Niveau de la musique. Bon, on va aller voir ce lit, et puis je pense qu'on va arrêter là parce que je suis en train de perdre mon temps. Et surtout de perdre le vôtre. Ah, ce qui me déçoit en fait, c'est. Bon, graphiquement, ça c'est. C'est rudimentaire. Comme la majorité des MMORPG free to play asiatiques. Et ensuite, très important, c'est qu'on ne puisse pas utiliser les compétences en utilisant les touches du clavier, ni le bouton de la souris, parce que moi j'utilise justement une souris Razer. Qui a l'avantage d'avoir les boutons 1, 2, 3, 4, vous savez, sur le côté de la souris. Donc avec ma main droite, je lance mes compétences, et puis avec comme ça, avec la main gauche, j'ai juste pour me déplacer ou bien faire des compétences un peu plus particulières. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a? Félicitations au joueur Claude Van Guest. Info, excellent skill. As rich.
Waouh. Ça c'est un bot. Arrête. 1000. Bien. Il a tué 1000 mobs à la suite quoi. Pas comment ça fait combien d'heures il y a dessus, mais ça c'est un bot. Non mais qui va rester là pendant autant d'heures juste à enchaîner les mobs. Ouais, c'est vrai, j'ai déjà fait sur Nine Dragons. Parce que c'était la seule manière établie pour prendre de l'XP. Parce que les quêtes étaient rares, à certains niveaux les quêtes sont très rares et puis il y en a genre une quête tous les 5 niveaux, un truc comme ça. Et la courbe d'XP est longue. Elle est longue. Mais après vous vous demandez, mais comment ça se fait que je suis resté aussi longtemps sur le jeu? Mais ils sont les amis, vous savez que le plus tard, enfin, à 89% les raisons pour lesquelles on reste sur un jeu, hein. On va dire 90%, allez, tiens. C'est parce qu'on a les amis dessus. Vous savez que même si vous n'aimez plus le jeu, que vous avez déjà tout vécu dans le jeu, le fait que vous avez une guilde dedans, les gens que vous connaissez, des amis, etc., des connaissances, bien forcément vous revenez dans le jeu, quoi. Parce qu'après tout, c'est une sorte d'adoken qu'elle a fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est un Hadouken, attendez. Oh. Ouais, c'est un Hadouken. Donc ça nous fait... Je disais, donc ouais, ça... Pourquoi c'est rouge? Ok. C'est ça qui fait en sorte qu'on reste plus longtemps, quoi. Donc, même si le jeu n'est plus... n'atteint plus les standards de plaisir que l'on cherche. Bon, ok les gars, bon, on s'en fout. Ouais. On s'en fout des lits. Donc je vais arrêter là, donc c'est juste un avant-goût. Je sais pas si c'était bon. En tout cas moi de mon côté c'était assez amer. Pas dégueulasse, hein, mais c'était amer. C'était bof, je vais pas recommander ce plat, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien? Le seul truc que je trouvais bien, fait, personnellement, c'est le fait que ce soit le concept arts martiaux. Parce que moi j'adore les arts martiaux, donc j'en ai fait un pendant un moment. Donc, enfin, pendant quelques années, on s'est dit bon, certaines activités m'ont empêché de continuer, donc mais de base, je suis fan d'arts martiaux, donc les films asiatiques avec nos héros tels que Donnie Yen, Jackie Chan, Jet Li, Sammo Hung, et puis les grands chorégraphes comme Corey Yuen, Yuen Whipping, et puis Sammo Hung aussi, qui est superbe aussi comme chorégraphe. Et bien sûr les autres qui sont un peu plus vieux, dont je ne me souviens pas de nom. Donc en fait c'est ça qui fait que le jeu m'a attiré l'œil en fait, parce que c'était les arts martiaux, c'est ça. Mais graphiquement, au niveau des personnages, c'est bien fait. C'est beaucoup plus moderne, en tout cas par rapport à Nine Dragons, que je vous montrerai probablement. Mais le fait qu'on ne puisse pas utiliser le contrôle de la caméra, je pense que c'est un bug, hein, parce que s'il indique dans l'aide, c'est que c'est possible, mais il y a un bug qui fait que on peut pas le faire ici. Le fait qu'on puisse pas le faire, et puis le fait aussi qu'on puisse pas utiliser justement ses compétences avec en utilisant les... Putain, c'est écrit 1, 2, 3, c'est qu'on est censé l'utiliser, c'est quoi? Attendez, on va recommencer parce que je comprends pas. C'est moi qui suis trop noob ou quoi? Ok, là je vais essayer d'utiliser en appuyant sur les touches du clavier, d'accord? Le 1, 2, 3, etc. Bon, ça ne marche pas, ok? Le 1 ne marche pas. Il n'y a rien sous mon clavier qui fait que le bouton, je ne puisse pas l'appuyer dessus. Maintenant, sur ma souris, Razer, non plus, ça ne marche pas. Le seul truc qui marche, c'est en cliquant dessus. Et voilà. Bon. Est-ce que F1 est... fonctionne? Non. F2? Non. F12? Non. C'est quoi ça? F11? Bah c'est F11? Non plus. Mon clavier est bien branché parce que je peux écrire. Je peux écrire. Voilà. Je peux écrire. Waouh. Il faut attendre 5 secondes entre chaque phrase. D'accord. Je peux éviter les spammers. Alors dire que je peux pas utiliser mon clavier. Euh,
Ah, activated. Activate. Non, je peux pas. Attendez, peut-être. Ok, on clique dessus, ça avance. Non, ça marche pas, c'est juste. C'est bouffe. Mais bon, donc on va s'arrêter ici. Donc merci d'avoir pu endurer cette vidéo. Qui était censée un peu. Qui était censée nous amuser, mais c'est pas le cas. En tout cas, moi ça m'amuse pas de pouvoir justement faire. Utiliser ces options de base. Pour pouvoir nous amuser quoi. Pourtant graphiquement c'est pas moche, sauf à part l'interface justement le choix. Sinon c'est pas moche quoi au niveau de l'environnement, vous voyez, même les effets dans l'eau. Même si ça manque un peu de. Enfin, c'est trop léger je veux dire. Ça manque de gravité, voilà, c'est ça. Mais bon, on va dire que nous sommes dans. C'est l'héroïque fantasy asiatique, hein, comme dans les Wuxiangpan. C'est Wuxiangpan. Ocean. Bon, justement, on voit les personnages pouvoir voler sur l'eau, etc. Mais. Ouais, graphiquement, ça manque de lourdeur au niveau des effets. De gravité, on va dire, ouais. Sinon, graphiquement, c'est beau, quoi, ça va, c'est smooth. Ouais, c'est smooth. Les cheveux, j'aime bien les couleurs. Mais l'interface, non. Et puis. Mais c'est dommage, alors. Mais bon, allez, donc c'est tout ça. Donc merci à tous et on se revoit dans un autre jeu, pour une autre vidéo. Ciao, ciao.